Bonjour, ce matin j'ai mis sur mon blog un nouvel article d'une entreprise qui s'appelle Creality's Paris et qui fabrique des découpes. Alors, elle vend bien sûr dans sa boutique du tissu, de la laine, tout un tas d'articles pour faire des loisirs créatifs, du home déco. Et la particularité, c'est qu'il fabrique sur mesure des découpes. Alors on dirait des découpes de bois, ça existe déjà, mais là on peut faire entre autres en envoyant nos gabarits ou alors avec des modèles qu'ils ont sur leur site, des découpes dans du plexiglas, des feuilles de plastique, de la feutrine, du tissu thermocollant, enfin tout ce qu'on veut. Mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu et ce que je lui ai demandé pour un projet que j'ai en tête. J'ai appris que cette entreprise au départ s'appelait Scrap Désir et qu'elle a fusionné avec Creality's Paris. Donc je vous mettrai les coordonnées. De toute façon, vous les avez sur mon blog dans la rubrique partenaire. Donc Aurélie a eu la gentillesse de m'envoyer ce matin un petit paquet. Donc moi, je lui avais demandé de me réaliser des découpes en forme de lapin. Donc je lui ai envoyé mon modèle. Mais il y en a sur le site, hein, vous pouvez choisir. Et je lui ai fait faire ce lapin en plexiglas avec une perforation ici. Vous en doutez, moi c'est pour faire du scrap et je vais en faire un petit album photo, un mini. Donc je vous montre ça de plus près. Donc je lui ai demandé une perforation dans la queue pour pouvoir mettre un anneau. Comme ça les pages pourront s'ouvrir correctement. Alors le plexiglas, il y a différentes couleurs, mais vous voyez, c'est assez épais. Donc du coup, bien solide. Alors ça, j'aime beaucoup. Il y a plein de couleurs et moi, j'ai choisi par rapport à mes papiers qui vont bientôt sortir de chez l'imprimeur, j'espère demain, pour les assortir à mes papiers. Donc j'en ai pris un en mauve aussi. Voilà. Donc il y a une face brillante et une face un peu comme le verre poli. J'aime bien aussi le côté vert dépoli. Et ensuite, elle fait aussi des découpes dans un plastique un peu plus fin. Donc là, j'ai demandé deux découpes, une en blanche et une en verte, pour faire des intercalaires. Donc, tout ça va être la base pour fabriquer mon album. Et bien sûr, vous aurez le tuto sur le site de Creality's, sur leur blog. Après, je lui ai demandé de me faire des petites découpes. Alors, ce sont des petits mots. Alors, elle fait des découpes en bois et puis des découpes en feuilles de bois. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre le bois, parce que c'est beaucoup plus fin. Alors là, je lui ai demandé, par exemple, mes amours. Elle utilise différentes typographies. Vous pouvez choisir suivant les modèles. Et ensuite, je pense que je les peindrai. Donc, c'est bien emballé, hein, chacune dans un sachet individuel. Après là, je lui ai demandé. Ah voilà, en fait c'était en plusieurs mots. Alors c'est mon petit lapin d'amour. Voilà, ce sera les petits mots qui seront dans le mini. Ensuite, elle m'avait envoyé un petit cheval à bascule. Donc ça, je le garderai peut-être pour un album naissance ou pour une carte. Et ensuite, un mot. Alors en plexiglas aussi, donc c'est assez épais, vous voyez. Le mot adorable. Vraiment, c'est costaud. Voilà, donc je voulais vous présenter tout ça assez rapidement, juste pour faire connaissance. Et ensuite, je vous montrerai ce que j'ai fait avec. Et vous pouvez aller sur leur site et visiter. Il y a plusieurs rubriques. Il y a des tutos aussi en couture. Moi, je ne suis pas très couture, vous le savez. J'apprécie beaucoup, j'aime les choses faites en tissu et toujours artisanalement, bien sûr. Mais c'est pas trop mon truc, la couture, le fil et les aiguilles. Donc, vous pouvez fouiller, il y a plein, plein, plein de choses. Et Aurélie est à votre écoute si vous avez des questions, elle est très gentille. Donc, voilà pour aujourd'hui et je vous retrouve un petit peu plus tard pour une autre vidéo. À bientôt!